Ni The Quick Times na none twongeye kubaha ikaze mu cyegeranyo twabateguriye kuri uyu munsi wa none twabateguriye icyegeranyo kivuga kuri Lieutenant General Kabandana Innocent. Nguyu rero General udasanzwe wahahamuye ibyihebe. Yaratubohoye ahagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 maze mu mwaka wa 2021 atsinda ibyihebe bitera CIC Paul Kagame kumuha ipeti rikomeye. Ni Lieutenant General Kabandana Innocent umugabo utangaje mu guhangana n'intambara zananiranye maze agaca impaka. Yavukiye mu cyahoze ari Gishamvu muri Butare, ubu akaba ari mu murenge wa Ngera akarere ka Nyaruguru. Nkuko byagenze ku bandi banyarwanda bari mu gihugu mu gihe cya Repubulika ya mbere ndetse n'iya kabiri, umuryango we wari mu bahungiye mu Burundi kubera ubutegetsi bubi maze abari naho akurira. Lieutenant General Kabandana yinjiye mu ngabo z'u Rwanda mu mwaka wa 1990 abumwe mu bagize uruhare mu kubohora u Rwanda no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Icyo gihe yari afite ipeti rya Lieutenant mu mwaka wa 1995 azamurwa mu ntera aho yahawe ipeti rya Kapiteni. Bidatinze kandi nanone mu mwaka wa 2000 yagizwe majoro, naho mu mwaka wa 2002 azamurwa ku ipeti rya Lieutenant Koloneli. Afande yarize araminuza afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Master's Degree muri Business Administration yavanye muri kaminuza ya Oklahoma Christian University muri Amerika. Tariki ya 16 Werurwe umwaka wa 2012 inama y'abaminisitiri yarateranye iyobowe na Perezida Paul Kagame maze Lieutenant General Kabandana agirwa umuyobozi ushinzwe ubufatanye mu bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda i Washington DC muri Amerika. Nyuma y'uko Perezida wa Mozambique Nyusi aje mu Rwanda agatakambira CIC Paul Kagame ko yamufasha akagarura umutekano n'amahoro mu gihugu cye akamutsinsurira ibyihebe byari byarirukanye abanyagihugu. Perezida Paul Kagame yahise atekereza ko Kabandana yakora iyo mission neza cyane kandi mu gihe gito. Bidatinze rero tariki ya 9 Nyakanga mwaka 2021 abasore n'inkumi babakomando muri RDF na RNP bari bayobowe na Afande Kabandana bururutse indege ku kibuga cya Mozambique maze Nyusi abona kunywa amazi aramanuka. Bari bayobowe rero na Lieutenant General Kabandana muri Kanama 2021 nibwo ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique zafashe umujyi wa Mocimboa da Praia ahari ibiro bikuru by'inyeshyamba zishamikiye ku barwanyi ba Islamic State guhera mu mwaka wa 2015. Birasobanutse neza rero Lieutenant General Kabandana yatsinzuye ibyihebe mu buryo budasanzwe agarura amahoro mu duce twa Palma na Mocimboa da Praia twari twarigaruriwe n'abo barwanyi b'ibyihebe. Akimara gukubitira rero mwigunira ibi byihebe byose mu ntara ya Cabo Delgado yagarutse mu Rwanda maze ku itariki ya 26/9/2022 umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda CIC Paul Kagame amuzamura mu ntera amuha ipeti rya Lieutenant General mu gihe yarwanaga ari Major General. Lieutenant Kabandana yabaye umuyobozi w'ingabo zidasanzwe z'u Rwanda zizwi nka Special Forces afatwa nk'umugabo wicisha bugufi ariko akaba umusirikare ufite ibigwi byinshi kubera uko yitwara mu bikorwa aba yashinzwe. Yabaye nanone umuyobozi ushinzwe amasomo mu ishuri rya gisirikare rya Gako, yabaye umuyobozi wungirije w'ingabo z'ubutumwa bw'umuryango wabibumbye muri Sudani y'Epfo ndetse yanabaye umuyobozi mukuru wa RDF ushinzwe ibikoresho uwo twakwita Chief of Logistics. Yabaye kandi nanone umuyobozi mu kigo cya Rwanda Peace Academy
ibigwi bye ntibyandika ntiwabyandika umunsi umwe ngo ubirangize ariko tuzakomeza kubibasangiza ahangaha n'andi mateka yuje ibigwi ndacyayabaha ni The Quick Times News rero nta kindi usabwa uretse kureba aho handitse subscribe ugakandaho ndetse ugakora share na comment tujya tubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru ndetse n'andi makuru atandukanye ntucikwe rero turi kumwe ni The Quick Times News Siya Kongo mu mujyi wa Goma kuri wa mbere habereye umuhango wo gushyingura abantu bagera kuri 200 bishwe mu bihe bitandukanye umuhango witabiriwe na ministre bane baturutse ikinshasa wabereye kuri stade de l'unité ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jimmy Shukani bakomera wiriweho mwiriwe neza Venuste none uwo muhango wo gushyingura ugeze he nibyo umuhango ubungubu urakomeje kuko watangiye kuva saa tatu aho abayobozi batandukanye baturutse Kinshasa nabo bose bamaze kugasigara no kuri stade l'unité abantu ni benshi baje kwitabira umuhango kuko ni 200 y'impunzi zishwe mu buryo butandukanye mu nkambi z'impunzi mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo uburere imihango irakomeje muri aka kanya tuvugana ni imiryango y'abahitanywe y'abapfuye niyo iri gutanga ubuhamya ubwo mukanya haraza gukurikiraho mu ijambo ry'abayobozi batandukanye baturutse Kinshasa none uwo muhango wo kubashingurira igihe kimwe ugamije iki bo icyo ugamije murabizi no mu minsi yashize ari ikintu cyiswe genocide no kuvuga icyo guverinoma yise genocide ikorwa muri Congo wenda y'abantu bishwe kuva intambara zatangira muri Congo n'umunsi wizizwa buri tariki ebyiri z'ukwezi kwa munani ubwo rero kubashyingurira icyarimwe ni mu rwego rwo kwerekana amahanga ndetse n'abantu batandukanye ko muri Congo nubwo hari ibibazo birimo kugenda biba ariko ko hari abantu nabo bicwa kandi bishwe n'intambara bakicwa n'ibintu bitandukanye kuko nk'aba bashyinguye umunsi aba bantu 200 bagiye bicwa n'inzara abandi bicwa no kubura ibikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi ubwo rero leta ikabona ko kubashyingura icyarimwe ari mu rwego rwo kwereka amahanga ko muri Congo hakirimo ibibazo kandi byose biterwa n'intambara Jimmy Shukani bakomera warukomoje ku buryo abo bantu bagiye bapfa watwibutsa igihe biciwe nuko bishwe aba 200 barashingurwa uyu munsi aho imihango iri gukorwa rero n'abantu bagi bishwe kuba bapfuye kuva tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu bagenda bapfira mu nkambi z'impunzi abenshi muri bo barashyingurwa uyu munsi bagiye bicwa n'inzara abandi bicwa no kubura amazi ndetse hari n'abandi bagiye bicwa n'amasasu mu nkambi z'impunzi kubera umutekano muke mu mujyi wa Goma kuko inkambi z'impunzi ziri hamwe n'amazu abandi bagenda bahura n'ibindi bibazo bitandukanye barwara bakabura ubuvuzi bagapfa abo bose rero bari kuri za morgue zitandukanye z'ibitaro by'ibitaro bikuru by'intara ya Kivu ya ruguru hano mu mujyi wa Goma ubwo niyo mpamvu uyu munsi guverinoma yahisemo ko bose bashyingurirwa icyarimwe umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Congo urwanira aho ngaho mu burasirazuba bw'icyo gihugu uravuga ko abo bantu bazize ingabo za leta n'imitwe bafatanije irimo za Bazalendo wowe urabivuga kwiki Ya sinzi ko wenda byaba umuntu yavuga ko ari ukuri cyangwa se ko ari ukubeshya kuko uburyo itangazo rya leta n'uburyo amashyirahamwe atandukanye yerekanye uko abantu abo bantu bapfuye ntabwo bigaragaza ko koko hari igisirikare cya leta wenda cyaba cyaragizemo uruhare cyane ko aho wenda igisirikare cya leta gifitemo uruhare ndetse n'inzego z'umutekano nuko umutekano muke ugenda ugaragara mu nkambi z'impunzi kandi leta FARDC na polisi y'igihugu aribo bashinzwe umutekano hano ubwo wenda ntekereza ko byaba ariyo mpamvu M23 ivuga ko leta yaba yarabije naho kuba barazize FARDC n'ibindi ibyo ni mu bibazo nabyo itangazamakuru duteganya kubaza umuyobozi w'inara
kugira ngo aduhe ibisobanuro byimbitse kuri icyo kibazo Venuste. Jimmy Shukrani bakomera umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Igoma, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2h du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai sur instruction de la haute hiérarchie convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Je vous remercie. Nous avons fait l'évaluation de la soirée, qui a été une soirée particulière parce qu'il y a eu des événements malheureux au niveau de la prison centrale de Makala, où il y a eu une tentative d'évasion. Ici, c'est l'occasion aussi de féliciter tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation d'une évasion qui a raté. Là, nous avons responsabilisé une petite commission qui est en train de faire le suivi et surtout le suivi des enquêtes parce qu'il faut retenir qu'il y a quand même eu des dégâts, des pertes en vies humaines, des blessés et surtout des dégâts matériels au niveau de la prison centrale, l'administration et le greffe ont malheureusement pris feu. Donc ce sont des situations que nous sommes en train de suivre en urgence qui vont nous permettre aussi dans les heures qui suivent d'avoir un bilan assez détaillé sur ce qui s'est passé et nous viendrons encore une fois devant vous pour communiquer à la nation ces résultats-là. Bonjour chers frères et sœurs congolais. Aujourd'hui, 2 septembre 2024, le pouvoir en place, ce pouvoir de faiblard, ce pouvoir de Nila, des aventuriers, nous demande d'enterrer 217 corps. Selon 217 corps. Mais je rappelle que dernièrement, le 2 août, nous avions enterré 8 corps. Quand nous étions en train de célébrer en fait, les génocides congolais, les génocides, on avait enterré 8 corps du bombardement de Boremana. Aujourd'hui, on demande d'enterrer 217. 217 corps juste dans un intervalle d'un mois. Mais la question s'est posée. Où étaient gardés ces corps? Dans quelle morgue? Les circonstances et les causes de ce décès? Leur lié d'origine? Parce que c'est anormal qu'on enregistre 217 corps dans un mois. Et nous, on ne savait pas où étaient gardés ces corps, surtout qu'à Goma, nous n'avons pas, on n'a pas la morgue capable de garder tous ces corps. Mais curieusement encore, ce cercueil au parachuté dans le stade de l'unité, aucun membre des familles des victimes n'a été présenté, aucun cercueil n'a été ouvert. Voilà, mais on a droit à se demander. Mais d'où sont venus ces gens, ces morts? Par quelles circonstances? C'était à quelle cause? La cause de leur décès? Est-ce que c'était une mort collective en masse? Est-ce que c'était un après l'autre? Est-ce que c'est à cause de la famine? Mais si c'est à cause de la famine, est-ce que ce n'est pas la responsabilité du pouvoir? Parce qu'au moins, nous savons qu'il n'y a pas eu d'affrontement. Déjà c'est moi pour dire qu'il y a eu d'autres pertes de la vie humaine. On n'arrive pas à les comprendre. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes en train maintenant de croire que réellement ces génocides n'est plus un génocide, mais plutôt un génocide. Parce que c'est une délégation qui vient de Kinshasa, qui s'enrichisse sur ces morts, sur cette guerre injuste. Ils viennent des ministres et des députés nationaux avec plus de 50 000 $ chacun, juste pour faire semblant de venir pleurer avec nous ici. Nous qui sommes dans la misère, nous qui sommes dans la détresse, nous qui sommes dans une guerre injuste, et ces voyous-là viennent de Kinshasa avec
cet argent. Ils font semblant de pleurer avec nous. En réalité, ils sont en train de se moquer de nous. Mais à part tout ça, mais il faut que je vous précise aussi que l'heure de l'enterrement est arrivée. Il fallait enterrer ces cercueils parce qu'on n'a pas fait l'exposition des corps. C'était l'exposition des cercueils parce qu'aucun cercueil n'a été ouvert. Et l'heure de l'enterrement, ce ministre est au fou juste après avoir enterré 5 cercueils. Parce que moi, je ne disais pas qu'on a enterré les gens, on a vu que des cercueils parce qu'aucun n'a été ouvert. Mais juste après 5 cercueils, ce ministre au fou. Ils ont pris fuite. Mais pourquoi? Alors qu'ils sont venus à Goma pour enterrer ces gens-là. Ne voyez-vous pas que c'est une vaste blague que nous sommes en train de traverser?